Comment puis-je vous aider, Padawan? Très bien. Vous désirez? Bien sûr.
Comment puis-je vous aider? Très bien. Bien sûr.
Tu perds ton temps. J'ai vu le véritable visage des Jedi. Ils sont faibles et terrifiés. Les Sith sont les vrais maîtres de la Force. Tu as oublié cette leçon, Revan. À présent, tu dois payer. Ici, sur la Forge Stellaire, le pouvoir du côté obscur est à son apogée. Cette fois, tu ne me vaincras pas. Pourquoi Malak a accepté de te suivre. Même si tu n'es plus que l'ombre de toi-même, tu demeures un formidable adversaire. J'arrive à peine à imaginer la puissance que tu devais avoir lorsque tu étais un seigneur noir. Tu as eu tort de tout abandonner pour rejoindre le côté clair. Le côté obscur m'a rendue plus forte que je ne l'ai jamais été. Je possède un plus grand contrôle de la Force que la plupart des plus grands Jedi. Quand Malak m'aura enseigné les plus grands secrets des Sith, je pourrai libérer tout mon potentiel. Il n'y aura plus aucune limite à ce que je pourrai accomplir grâce à la Force. As-tu déjà oublié les lois des Sith, Revan? Je finirai par défier mon maître. Si je suis assez valeureuse, il mourra par ma main et je deviendrai le nouveau maître Sith. Je prendrai alors mon propre apprenti. Et le cycle pourra recommencer. C'est la loi des Sith. C'est ainsi que nous nous assurons que nos leaders sont toujours les plus forts et les plus valeureux. Non, Revan. C'est toi qui es condamné. Je le sens. Tes forces te quittent. Le côté clair t'abandonne, tandis que le pouvoir de la Forge Stellaire me régénère. Bientôt, tout sera terminé. Le côté obscur vaincra toujours le côté clair. Malak m'a garanti la victoire. Tu ne peux pas me vaincre sur la Forge Stellaire. C'est impossible! Non, ce n'est pas possible. Tu as rejeté le côté obscur. Tu n'es qu'un faible et pathétique serviteur de la lumière. Comment peux-tu encore me défier? Pourquoi ne puis-je donc pas te vaincre? Oui, je sais que tu dis vrai. Je ne suis pas de taille à t'affronter. Par pitié, en souvenir de ce que nous partagions, ne me fais pas souffrir. Mets-moi à mort rapidement. Il n'y a pas d'autre solution. Quel autre choix y a-t-il? J'ai sombré du côté obscur. Je suis l'apprenti du Seigneur Noir lui-même. Tu ne peux pas me laisser en vie.
Non, je n'en ai pas la force. Il y a bien trop de colère en moi à présent. Trop de haine et de peur. La force ne peut plus m'apporter la paix. Non, c'est ce lien qui m'a entraîné sur cette voie. Il m'a empoisonné. Je me détestais de t'aimer. Et à présent, j'ai tout trahi. Je te demande une mort honorable, mais tu es trop faible pour me l'accorder. Assez de mots. Ceci s'achèvera dans le sang. Oui, je pourrais te rejoindre dans ton combat contre le Seigneur Noir. Cela ne rachèterait pas toutes mes fautes, mais cela serait un grand pas dans la bonne direction. Mais comment pourras-tu me faire confiance? Comment t'assurer que je ne me retournerai pas contre toi une fois face à Dark Malak? Comment être sûr que le côté obscur ne me forcera pas encore à te trahir? Tu joues un jeu dangereux. Veux-tu vraiment prendre ce risque? Je pourrais te tuer et gagner la faveur de Malak d'un seul coup de mon sabre laser. Tu es brave et stupide. Le côté obscur m'a totalement consumé. Et tu vas souffrir pour n'avoir pas su le percevoir. Vous désirez ? Hein ? Ouais. Oui ? Bien sûr. Ouais. Vous désirez ? Oui.
Tu perds ton temps. À présent, tu dois payer. Je comprends mieux pourquoi Malak a accepté de te suivre. Même si tu n'es plus que l'ombre de toi-même, j'arrive à peine à... Le côté obscur, quand Malak m'aura... De la propagande Jedi. Je prendrai alors mon propre apprenti. Non, Revan. Tu fatigues, je le sens. Tes forces te quittent. Le côté obscur vaincra toujours le côté clair. Non, ce n'est pas possible. Tu as rejeté le côté obscur, tu n'es qu'un faible et pathétique. Oui, je sais que tu dis vrai. Je ne suis pas de taille à t'affronter. Quel autre choix y a-t-il? Tu étais un cas spécial. Le Conseil n'avait pas d'autre choix. Ils avaient besoin de toi vivant afin de découvrir la position de la Forge Stellaire. C'était un acte de désespoir. J'étais chargée de te surveiller afin d'être sûre que tu ne reprennes pas tes mauvaises habitudes. J'étais censée te protéger du côté obscur. Il est vrai que j'éprouve des sentiments pour toi. Mais n'était-ce qu'une illusion engendrée par notre lien? Et quel en était le coup? Pitié, je souffre trop. Mets un terme à tout cela rapidement, il n'y a pas d'autre solution. Oui, je pourrais te rejoindre dans ton combat contre le Seigneur Noir. Cela ne rachèterait pas toutes mes fautes, mais cela serait un grand pas dans la bonne direction. Mais comment pourras-tu me faire confiance? Comment t'assurer que je ne me retournerai pas contre toi une fois face à Dark Malak? Comment être sûr que le côté obscur ne me forcera pas encore à te trahir? Tu joues un jeu dangereux. Veux-tu vraiment prendre ce risque? Je pourrais te tuer et gagner la faveur de Malak d'un seul coup de mon sabre laser. Tu es brave. Certains diraient que c'est de la folie. Mais tu as aussi raison. Le côté obscur ne m'a pas totalement consumé. Je ne pourrai pas lever ma lame contre toi. Tu vaincras Malak, je n'en doute pas. Après avoir été le seigneur des Sith, tu deviendras le sauveur de la galaxie. Je dois savoir quelque chose avant. Je dois te demander quelque chose. Y aura-t-il une place pour moi dans ton avenir? Est-ce que tu m'aimes? Je t'aime aussi, de tout mon cœur. Après ça? Non, rien ne pourrait me rassurer plus que de savoir que tu m'aimes. Tu devrais y aller. Malak attend. Ce n'est pas encore terminé, pour l'un comme pour l'autre. Je devrais rester ici. Si nous affrontons Malak, j'ai peur que sa sombre présence ne me submerge. Il serait imprudent de m'exposer à une telle tentation. Oui, ce serait une bonne chose. Tu n'as pas besoin de moi pour vaincre Malak, de toute façon. À présent, je comprends qu'un véritable Jedi peut affronter n'importe quel Sith. Même le Seigneur Noir lui-même. Je vais rester dans cette chambre et utiliser ma méditation de combat pour aider la flotte de la République. Je suis leur seul espoir de détruire la Forge Stellaire et de mettre un terme à la menace des Sith. Tu dois partir et affronter Malak. Fais vite. Lorsque j'aurai fait tourner la bataille à l'avantage de la République, nous n'aurons que peu de temps pour nous enfuir avant que la Forge Stellaire ne soit détruite. Bonne chance, mon amour. Et que la Force soit avec toi.
une brèche dans la formation Sith. Escadron Vert, à vous de jouer. Escadron Vert en approche. Bastila n'utilise plus la méditation du combat contre nous. La chance tourne. Escadron rouge, dans la brèche. Les sous-amiraux, couvrez leur position. Pas de problème. Ça n'a pas marché. Ce jeu me fatigue, Revan. Vous êtes une épine dans mon pied depuis que j'ai arraché la cape du Seigneur Ténébreux à vos doigts trop faibles pour la retenir. Vous avez commis une grave erreur en venant ici, Revan. La forge stellaire me permet d'accéder au côté obscur de la Force. Vous n'êtes pas de taille à m'affronter, et cette fois, vous ne m'échapperez pas. Ha ! Quel idiot vous faites, Revan ! Vous prétendez être un Jedi, et pourtant vous vous nourrissez de colère et de haine. Mais même le côté obscur ne peut plus vous sauver désormais. Vous n'êtes qu'une poussière insignifiante. Je vous surpasse sur tous les plans, et j'ai accompli ce qui vous a toujours été impossible, en libérant la puissance de cette usine Ragatan. Vous n'aviez pas idée de la puissance contenue en ce lieu. Ces murs même résonnent du pouvoir du côté obscur.
et maintenant mon ancien maître. Je vais laisser la forge stellaire vous annihiler. Wow.
Thank you.
Psst!